Agnon YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui risque d'être un petit peu plus court que d'habitude en raison d'un énorme imprévu qui m'est arrivé il y a quelques jours. Si vous me suivez régulièrement sur TikTok et que vous avez vu la dernière vidéo en date, vous savez sûrement à quoi je fais référence. J'en ai même fait une vidéo YouTube et c'est le premier podcast officiel de la chaîne. Comment vous dire que je suis sur le cul? Je n'ai absolument rien vu venir. Ah bah ils sont forts l'ambassade. Même ce crack de Katakuri dans One Piece, il n'a rien vu venir. Pour les nouveaux sur la chaîne, pour faire simple, tous les Coréens qui ont entre 18 et 28 ans se doivent effectuer leur service militaire. Et bien évidemment, je ne fais pas exception à la règle. Et ce qui me termine le plus, c'est que régulièrement sur TikTok, je faisais des blagues et des sketchs à propos du service militaire. Comme quoi, le karma existe vraiment et pour le coup, il m'est rentré dedans comme un train. On a discuté et négocié pendant des heures à l'ambassade, rien n'est encore décidé, mais si tu veux mon avis, ça ne sent pas bon. Ah bah ça se trouve, la prochaine fois que je publierai une vidéo sur cette chaîne, ce sera un vlog à la caserne militaire sur comment tirer avec un fusil d'assaut avec jean des BTS. Déjà qu'avec le Covid, je me suis fait confiner 2 ans en France, et bah maintenant je suis sur le point de me faire confiner 2 ans supplémentaires en Corée du Sud. Eh c'est quoi cette douille, j'ai le droit de vivre ou ça se passe comment? Eh je vous jure que les Coréens qui ont réussi à faire leur service militaire pendant le confinement, ils se sont mis archi bien. Niveau timing, ils ont décroché le jackpot ces bâtards. Voilà, c'était surtout pour vous prévenir que la vidéo qui était censée sortir hier est reportée à la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche. Je posterai des vidéos plus courtes comme celle-ci entre les podcasts que j'ai l'habitude de vous publier. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine, peut-être depuis la prison la prochaine fois, et Tameboja.